je suis en charge d'un programme territoire d'industrie au sein de la Banque des Territoires, qui est un des opérateurs de ce programme que l'État a développé et qui, avec un certain nombre d'autres partenaires, s'est donné pour mission de soutenir l'activité industrielle dans 141 territoires en France, des territoires qui sont essentiellement des territoires, on dit, intermédiaires, des territoires donc périurbains ou ruraux, au sein desquels il y a une histoire industrielle qui a été marquée soit par cette grande vague des 40 dernières années de la désindustrialisation, ou bien qui continue à être marquée par une tradition industrielle. Et ce que nous souhaitons faire, c'est permettre un développement économique lorsqu'il a quitté ces territoires, ou bien accompagner l'industrie dans sa modernisation et lui permettre de faire face aux défis de demain. On le fait à un moment où l'activité industrielle est sortie de ces longues décennies de crise, puisque ces dernières années, on constate qu'il y a à nouveau un solde net de création d'emplois dans l'industrie, qu'on a à nouveau un solde positif d'ouverture d'unités de production, d'usines. Et donc on pense que c'est le bon moment pour mobiliser tout un panier de services, un panier d'opérateurs pour permettre à ce que les acteurs locaux, c'est-à-dire les élus locaux, mais aussi les industriels, puissent, territoire par territoire, tirer le bénéfice de leurs atouts et progresser pour créer de l'emploi, créer de l'activité et accompagner le développement local. La Banque des Territoires est un opérateur qui mobilise des moyens particuliers. Nous sommes un prêteur, nous avons donc des moyens de financement des acteurs locaux. Nous sommes aussi un investisseur, nous accompagnons des entreprises, nous investissons dans des projets d'intérêt général. Et nous avons aussi une fonction en amont de soutien à l'ingénierie pour permettre aux territoires de résoudre leurs problématiques de développement économique. Nous sommes signataires de l'ensemble de ces contrats. Ces contrats font l'objet d'objectifs dans lesquels chaque opérateur indique les moyens qu'il va mobiliser. Les territoires et donc le binôme entre élus et industriels font remonter des fiches projets et nous examinons cas par cas les moyens que l'on peut mobiliser pour aider à la réalisation de ces projets.